bien, salut tout le monde, c'est Sam et bienvenue à nouveau dans un nouvel épisode du Ranch de Woody. Ouais. Bon, aujourd'hui, je vous préviens, j'y vais un peu à l'improviste parce que, tout simplement, j'avais envie de tourner un épisode. Mon son est trop fort, désolé. Et surtout, on avait besoin, aujourd'hui, en fait, on va pas faire un épisode aussi fun que la dernière fois. Je sais que vous avez beaucoup aimé le dernier épisode, étant donné qu'il a pété le nombre de likes. Mais cette fois-ci, désolé, on va pas autant s'amuser, on va pas élever des super animaux, tout ça. On va devoir travailler un peu en mode Bob le bricoleur. Parce que je vous avais dit que, tout simplement qu'il fallait trouver une issue de sortie pour le dragon, vu qu'on a toujours pas volé avec Monsieur Patate. Qui est trop stylé quand même, il est vachement stylé. Donc on va devoir bosser un peu là-dessus. Bon, je vais juste aller me faire une hache, parce que j'ai la flemme de couper tout le bois à la main. Et puis après on verra ce qu'on va faire, puisqu'on a dit ça va pas durer non plus tout l'épisode. Mais bon, comme je vous ai dit, j'y vais un peu à l'improviste. Qu'est-ce qui se passe derrière, à Franklin qui se bat ou quoi? Non, ça va. Mon dieu, mais il est vraiment énormissime, c'est un truc de fou. Bref. J'ai pas de fer ou quoi? Je sais pas. Pour la ferme à serpent, je sais toujours pas, je sais pas. Je vais les foutre là-dedans d'ailleurs. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, visiblement, j'ai pas de quoi me faire des outils. Donc, je vais zapper le passage et puis... Puis on va se retrouver après avec de quoi pouvoir enlever tout ce bois. Bon, très bien, on va se contenter de haches en or, c'est pas grave, j'en ai fait 4, hein, vu que je sais que ça s'épuise vite. On va se contenter de ça, c'est pas un drame. Je ramasse le blé, tac. Comment on va faire? Je ne sais pas, on va déjà enlever tout ça, parce qu'en vrai, il faut aussi pas mal de hauteur pour qu'il puisse sortir. Au pire, je réaménagerai un peu l'entrée quand même. On va virer ça comme ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je peux laisser quand même l'espace assez ouvert, étant donné qu'il y a moyen de le faire asseoir pour pas qu'il s'en aille, comme c'est le cas actuellement. C'est pas grave, on va le laisser se balader un peu. Il est resté enfermé pendant si longtemps. Ça, on va enlever, c'est moche. Ouais, voilà, on va faire comme ça. On va mettre ça ici, tac, un, deux, tac, c'est moche, très bien, on va enlever ça alors, d'accord, là, je suis déjà cassé, j'ai perdu une demi-dalle, où est-elle passée, demi-dalle, là-bas, hop, j'ai chopé, et on va foutre ça. En fait, ça change rien du tout ce que j'ai fait. On va mettre des escaliers alors. On va remettre ce qu'il y avait avant. Et puis tant pis, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, c'est parfait. Les poteaux, on va les remettre. Tac. Hop, hop. Hop, hop. Et voilà. Maintenant, tu pourras sortir et rentrer dans la grange sans aucun problème, j'espère. On va tester tout de suite. Et là, bien là. D'accord. En fait, il y aura un gros problème, je crois. Wow, je pensais pas que t'étais aussi gros que ça. Oh, il plane. C'est énorme. Ah bah si, ça va, ça passe. Ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Faudrait que je trouve quand même un moyen de... J'ai une idée. Je sais pas si ça va marcher, mais bon, on va essayer. Ça coûte rien d'essayer. On va remettre les portes, mais on va les mettre ici et ici. Est-ce qu'il peut passer là? Je suppose que ouais. Ah, il peut passer. Okay. Je pensais qu'il pouvait pas passer. Sinon, j'aurais juste à ouvrir les deux portes pour pouvoir rentrer. Punaise, non, j'arrive pas. Voilà. Comment on va faire? On va se contenter d'une entrée en 3 alors. On va tac remettre ça. Ouh, la nuit tombe déjà. Vite, faut qu'on se dépêche alors, comme ça on va pouvoir aller dormir. Tac tac tac, je récupère ça, je mets ça, voilà. Punaise, je me suis foiré bien sûr. Tac. Hop, on reprend les barrières. Et c'est bon. Et je vais remettre la porte. Je pense que ça marche comme technique. Juste si c'est pas super méga esthétique. Mais au moins ça l'empêche de partir. Ah, c'est parfait. Oh, c'est génial, super technique. Tac. Excellent. C'est bon, tu t'enfuis pas, monsieur Patate? Non,
Parfait, bon bah on va aller dormir alors et on se retrouve après, on va voir ce qu'on va faire, je sais pas trop. Finalement ça allait plus vite que je pensais, c'est un peu dégueulasse mais bon, là-bas il manque un truc, on va aller préparer. Ah oui, à l'épisode d'avant on avait déjà remarqué. Non, ça va pas le faire. On va prendre ça, tac. Et attention, jump, posage d'escalier. Fail. Merde. Gros fail. Ok, je vais détruire ça, tac. Et je vais le reposer normalement. Voilà, parfait. Parfait, parfait. On va aller dormir et on se retrouve le lendemain. L'œuf de Mother Machin, on va le faire éclore, vous inquiétez pas. Vous m'avez proposé des noms, celui-là que j'ai retenu c'était Madame Patate. Je trouvais ça marrant, vu qu'il y avait Monsieur Patate. Donc voilà. On se retrouve juste après alors. Très bien, aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle chose. J'ai décidé de rendre l'épisode quand même un peu plus fun, étant donné qu'au final vous montrez que de la construction d'un enclos de dragon, c'est pas super top. Et ben on va construire un deuxième enclos aujourd'hui, c'est génial. Mais bon, faut se dire que ça fait partie du travail d'un meneur de ranch. Donc on va, en fait, cette partie là, on va pas mettre de chevaux. Parce que je veux pas avoir 4 chevaux non plus, mais on va mettre d'autres animaux. Et j'aimerais bien faire une partie pour les serpents, sauf que ça me paraît un peu petit en fait pour mettre les serpents. Donc je pense que je vais agrandir la chose. Je vais fermer la cloison là-bas. Et ça, je vais le réunir en deux enclos en fait, collés. Dans le deuxième enclos, on verra ce qu'on mettra. Mais j'ai l'impression que ça se transforme en zoo ici. Déjà, il y a Francis Lalanne là-bas. Pile poil, va bien. Ne vous inquiétez pas, il est juste pas présent actuellement. Mais il va bien. Tac, on va prendre ça comme ça. Et on va replacer les barrières comme ça. Là, on va mettre une porte machin. Tac. Voilà. Je sais pas si de l'autre côté je ferme ou si je fais la même chose. Je mets aussi des barrières et. Bon, je vais faire ça. Je sais pas s'il m'en reste encore. Ouais, il m'en reste pas mal, c'est pas mal. Tac, voilà. Ça me paraît bon. Alors. J'avais dit que je séparerais en deux, donc ça va pas le faire en fait. Est-ce qu'on pourrait. En fait, ça a rien qu'il y ait une entrée par là. Ouais, il pourrait avoir une sortie quand même, c'est pas grave. On va séparer comme ça en fait. Tac. On va séparer comme ça, ça me paraît pas mal. Ici. Mince. Donc ça on peut enlever. Par contre, il n'y a plus besoin. Hop. Ça on enlève. Là on met une porte. J'ai du bois, faut juste que je pose une table de craft. Voilà. Tac. J'ai encore quelques barrières mais ça me suffira pas, donc on va se refaire des barrières. Tac, tac. Et c'est parti pour nous faire des super barrières. Voilà. C'est génial. D'accord. Hop, je sais pas si 11 barrières on aura assez, mais bon, on va faire avec. La porte barrière était là, d'accord. On fait comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, parfait. Pour faire une porte barrière, si je me souviens comment faut faire. Tac, tac. On va reprendre ça. Ouais, non, en fait, j'avais que besoin de 1, mais c'est pas grave. Tac. Parfait, une porte barrière. Donc, de ce côté-là, on va... Ok, j'ai fait n'importe quoi. De ce côté-là, on va mettre les serpents. Et de l'autre côté, je sais pas ce qu'on va mettre. Et ben, on va tout de suite poser les œufs que je n'ai pas pris, évidemment. Sinon, ça serait pas marrant. Donc, on va aller chercher les œufs et on va revenir pour poser les œufs. Je pense que je vais simuler un environnement un peu désertique là-bas. Bon, là, par contre, j'ai pas les ressources. Hein. J'ai fait vraiment ça à l'improviste. On verra ça plus tard, peut-être dans le prochain épisode, j'en sais rien. Mais là j'ai pas les ressources nécessaires. Mince, on va laisser l'œuf ici. Tac, on prend tout ça et c'est parti, on va aller mettre du serpent là-bas. Est-ce que j'ai des torches? Oui, j'en ai quelques-unes, c'est pas mal. Et puis ouais, on va foutre ça là-bas. Et de l'autre côté, je sais pas ce qu'on pourrait mettre, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que ça se transforme en zoo ici. Mais bon, c'est tant mieux, c'est marrant, je trouve ça bien. Hop. En plus, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tour dans la grange. Toi, par contre, tu vas mourir. Oh là là, vous avez vu ce pro à l'arc, vous avez vu. Alors, ça, c'est quoi? Spotted Snake, on va en mettre un.
Avec une torche, parce que sinon il va se barrer. Tac, parfait. On va mettre Coral Snake ici. Tac, avec une torche aussi. Ça c'est quoi? Orange Snake. Et ils sont beaux ceux-là, je crois. Tac, ici, avec une torche. C'est quoi ça? Green Snake, ok. Parfait. Avec une torche. Spotted Snake, on l'a déjà mis. Ah, il y a déjà un serpent qui est arrivé. Oh là là, faut que je leur donne des noms. Non, je leur donne pas de noms. Hein. C'est des serpents, quoi, on s'en fout. Voilà, je lui ai pas donné de nom. Et un python. On va mettre un python, forcément. S'il n'y a pas de python, c'est pas marrant. Tac, voilà, parfait. Non, je veux pas l'appeler Z. Tac. Oh, il est trop beau celui-là. D'ailleurs, petite anecdote, je crois. Mes grands-parents, enfin, il y a longtemps, ils habitaient en Chine. Et il y avait des serpents comme ça là où ils habitaient. Enfin, je crois, hein, je suis pas sûr. Soit c'était quand ils habitaient au Brésil, j'en sais rien. Le orange est très joli aussi. Je vais le laisser. Bon, je vais laisser les torches. Hein, de toute façon, là, c'est juste un début. Il me faudra de la stone aussi pour que je puisse. Je vais reproduire un peu le même environnement que Francis Lalanne. Ça va être pas mal. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir de l'autre côté, quel animal. Je vous laisse le choix si vous souhaitez. Oh, il est énorme lui le python là. Donc ça c'est le Spotted Snake. Ça c'est le Coral Snake peut-être. Ou je sais pas, j'ai dû inverser les deux. En tout cas c'est un des deux. Ça c'est le Green Snake, le python et le Orange Snake est parti. Il est là. Très bien, ils sont tous là. C'est parfait. Bon bah on va laisser ça comme ça. Je leur mettrai un peu d'eau. Bon, je vais y aller voir si j'ai des trucs encore dans mes coffres à leur donner ou pas. Mais en tout cas j'ai vu que j'avais pas de sable déjà. Mais est-ce que j'ai de quoi leur faire des petits rochers comme ça? Enfin non, je verrai après parce que j'ai peur qu'ils s'enfuient et tout. Donc pour les serpents on va s'arrêter à ça pour le moment. J'irai récolter du bois, enfin du sable, tout ça plus tard. Et on s'occupera de ça plus tard. Mais là, j'ai l'impression que le jour tombe à nouveau. Déjà, ça me paraît rapide, mais bon. On va aller se reposer un peu à nouveau. Et puis, on va voir ce qu'on va faire, justement, de ce fameux dragon qui défonce tout. Oh, une bonne sieste. Ça va, Sly? Tranquille? Tout le monde m'a dit qu'il s'appelait Sly Raccoon. Enfin, non, qu'il s'appelait Sly Cooper, le jeu. Je sais, mais en anglais, le jeu s'appelle Sly Raccoon, je crois. Donc, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Désolé, je me suis trompé, je sais, c'est pas grave. Sly Raccoon, ça te va bien comme prénom. T'aimes bien? Oui? Oui, t'aimes bien, c'est bien. Allez, hop, on va aller s'occuper du super Mother Wyvern. On va lui créer un super enclos, on va lui faire tout qui est super parce que c'est un super dragon, tout simplement. On va aller chercher notre 9-9. Je sais pas où il est, ça c'est Python et Spotted Snake, c'est pas ça. D'accord. Je sais pas c'est quoi ça. Je pense que te laisser ce dragon est un réel danger. J'ai pris la précaution de te le confisquer. A bientôt. D'accord. Donc. C'est signé par un anonyme. D'accord. Donc, il y a un mec qui me prend de je sais pas où. Qui me fout dans un monde de dragons. Je tue un dragon, je récupère son œuf et il me le reprend. Enfin, si c'est la même personne, je sais pas. Et puis à la fin, il écrit bientôt, à bientôt. Bah oui, à bientôt. Non, désolé, j'ai plus envie d'avoir affaire à toutes ces bêtises. Je sais pas ce qui se passe, ça m'énerve. Donc bon, je suppose que dans le prochain épisode, on va devoir aller chercher ce fameux dragon, n'est-ce pas? Je vais pas lui laisser mon œuf quand même. Exact. Qui vient de dire exact? D'accord, qui vient de dire exact? Ok, ça devient totalement flippant cette histoire. Je vais vous laisser les gens. Je suis en train de perdre la boule. Je vais aller. Oh, ok, il y a un zombie ici. Je vais aller chercher l'œuf dans le prochain épisode. On va récupérer ce Mother Wyvern et on va aller péter la tronche à celui qui m'a fait ça. Parce qu'honnêtement, ça commence à me péter les bonbons. Moi, qu'il y a toujours des embrouilles dans ces épisodes. Bref, on se revoit très bientôt les gens. N'oubliez pas de me mettre un j'aime si vous aimez cet épisode à moitié ennuyant. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne. Vous allez voir, je suis quelqu'un de sapin. Bref, allez, ciao tout le monde. Ouais.